Et donc on a RL contre Sen. Voilà. Un match qui s'annonce de haute voltige. Hein. RL, on le connaît, qui a déjà gagné un sus. Sen, qui est toujours dans les hauts classements quand il vient. Non. Je suis désolé, mon pote. Moi aussi, j'aurais besoin d'un chargeur. J'ai plus que 9% de batterie. Comment ça, Max, il demande Philippe Poutou. C'est quoi cette... Ah, oui, non, c'est juste Philippe Poutou, quoi. Ah, c'est une qui impose, hein. On le voit. Il prend énormément d'espace, hein. Voilà, c'est incroyable. Le spike into le bon up smash. Et grâce à Max, c'est cher pour qui? Vous, pour qui? Qui vous voyez gagner? Est-ce qu'on peut faire un sondage? On peut pas faire de sondage. Voilà. Ouais, regardez les streams et abonnez-vous, faut qu'on soit affilié un jour. Peut-être. On a pas 7 heures de stream. Bon. Plus sérieusement. Sen contre Aricole. La stock d'avance de Sen. On le voit bien confortable. Confortable sur Matchup Falcon, hein. Toute personne qui ne dit pas Sen a tort. Bah oui, Sen. Sen for the win, hein. En tout cas, c'est mon pronom, on va rester neutre dans ce match, puisque je peux être neutre. Voilà, Sen qui a une longueur d'avance. Les pourcentages qui sont assez similaires, pourtant il y a une story de différence. On trouve certains combos starters du côté de Sen, mais on peut rien en faire. Deux d'un B du côté de Ryle. On mix up au côté du ledge, hein. Dans ce match, pour le gagnant, dans le tournoi, pour le vainqueur. Les techs de Max Kell, l'ultime dodger, mesdames et messieurs. On sait même pas pourquoi il est pas venu d'ailleurs. Ah! Bon, bah, vive le mariage de Max avec son tacos, hein. Vive les mariés. Voilà, donc parenthèse faite. On va pouvoir continuer. Comme d'habitude, les stocks sont toujours. Enfin, les stocks sont toujours à l'avantage de Sen. Le pourcentage est toujours un peu even. On fait des petites spot dodge, hein, du côté de Sen pour éviter de faire des insights. Vas-y, 100% tu prends des formules préfètes de tacos. Moi, je prends pas de tacos. C'est pas pareil. Moi, je mange pizza. Sen qui commence à être en difficulté, hein, 89%. Est-ce qu'on aurait une remontada du côté d'Harry Cold? Ah, non. Oh, voilà, le side B gagne interaction. Super. Et ça gagne pas interaction contre Rondoudou. Voilà, je me suis fait éclater par le groupe 3-2. Ça, information, vous la prenez pas. Et là, les pourcentages sont les mêmes à 0,2 près. Mais pourtant, il y a une grosse stock d'avance du côté de Sen. Et on va la prendre, cette dernière stock. 1-0 pour Sen, mesdames et messieurs. Ça pense quoi, Philippe? Il répond pas, il est con. C'est ça le problème des solo cast. Bah ouais, c'est ça. Et tu veux pas venir cast avec moi, toi? Parce que tu crois que je suis qualifié, moi? Je joue, c'est tout. C'est pas grave, tu fais l'entertainment. Tu fais comme moi quand je suis arrivé au premier seul, je connaissais pas assez le jeu pour commentarier et j'ai commentarié avec Pano et ça s'est très bien passé. Bah ouais, eh, y a pas les personnes importantes, y a pas de Max, y a pas de Levius, y a pas de Pano, y a pas de Patrick Bruel. Mais vraiment, le Smash édition Sart, édition personne n'est là. C'est ça les vrais imposteurs. Bah. En fait, c'est là où on voit que le jeu est un peu moins stack que les dernières que les saisons précédentes, mais on a quand même pas mal de bons joueurs, et on le voit, Sen et Ryle Cole qui sont pour l'instant les deux meilleurs joueurs puisqu'ils sont winners. Oh, le spike! Le spike sur le side. Ah, ça c'est très très beau, mesdames et messieurs. Et donc c'est RL Cole qui va prendre cette première stock drag.
continue. On a essayé de bien, on s'est fait contrer. On arrive à choper. On a essayé de faire le combo ladder, on n'a pas pu le faire. Sten qui ressuscite sur une Mitra pour avoir plus de mobilité. On arrive à se faire catch quand même. De putain d'attaque grab. Horrible. La gestion de recovery au ledge, de balancer un petit side B pour forcer l'ennemi à reculer ou à changer de positionnement, c'est assez fort du côté de Sten. Il y a plein de petites techniques. Oh, on part le chercher très bas et on va se faire avoir. Encore 3 stocks pour Eryl. Hein. Et peut-être un 3 stocks. 3 stocks dans cette game. Sérieusement. Est-ce qu'on a vu des 3 stocks avant le stream? On en a déjà eu aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Et ben... Ah, le setup mêlé. Setup, non, setup 7. Genre, c'est quand tu descends les escaliers. Alors je vais vous préciser un truc. Les adaptateurs GameCube ne sont pas par setup, ce sont par personne qui ramènent leur manette normalement. Ouais, c'est pas ça. Donc, essayez de voir avec quelqu'un si je peux pas vous en prêter un. Ok. Okay. Ou au pire, vous piquez au setup mêlé, vous faites R, vous dégagez. Non, parce qu'il y a Louis qui est avec vous. Non, mais c'est pas vrai. Ouais, mais si c'est vous, on s'en fout. Non mais non réellement, enfin si il y a Bronol donc vous laissez jouer, mais ça aurait été quelqu'un d'autre et Goob, juste à cause de Goob vous l'auriez lâché hein. Non, Goob il est chiant. Donc voilà. Bon, on revient à la game. On n'a pas eu 3 stocks, 150% du côté Ten, on va essayer de remonter. C'est assez compliqué. Oh, le coup de pied. Le gros coup de pied. Et on arrive à revenir. Un partout les petits potes. Est-ce que ce serait pas une winner finale even? Par contre, attendez, il est 16h30 et on a déjà un winner final. C'est quoi ce bordel? Bah, à mon avis, il va falloir jouer des matchs de loser hors stream. Hein. Ok. Et ben, bah, vous aurez des matchs de loser que vous. Ouais. Non, là, c'est des streams combien tourner, etc. Que, ouais. Il y a des matchs de loser qu'on va pas pouvoir tellement mettre. Un partout avec un magnifique affichage comme vous pouvez le voir à l'ancienne. On remercie Ika hein, d'avoir pu gérer entre guillemets le problème comme il a pu. Des bisous. Ah bah hé hey. On a quand même une bonne régie parce que on vanne. Mais des régisseurs lambda ils auraient fait bon flemme. Ouais tu vois. Donc voilà, on a quand même un Ika Lamar qui a été vraiment dédié. Même si le seul défaut aujourd'hui c'est qu'il a perdu contre Goob. Ah oui d'accord, il a joué Barbe Blanc. Ok, non mais vraiment on me dit pas tout hein. Donc si t'as joué Barbe Blanc, moi je dis il a pas mérité sa win. Et une game avec Barbe Blanche. Mais ils joueront doudou l'enculé. À un moment, faut arrêter quoi. Bon, plus sérieusement, le match. Eryl qui a l'avantage, les stocks. Putain, les pourcentages étaient exactement les mêmes. Mais une stock d'avance du côté d'Eryl, on a retiré une stock à Sen. Mais là, c'est au tour de Sen hein, qui va essayer de chasser pour retirer la stock. Le spike qui touche. Stock even, pourcentage largement moins, mais on connaît le talent de scène, ça peut remonter. Ça commence à remonter bien. Eh. 26%, on va petit à petit. Ah, ça s'est tué, malheureusement. On va pouvoir revenir sur le terrain. Oui. La spéciale. Attention, je baille.
Excusez-moi. Il y a une ambiance de mort actuellement. Non, pas du tout. D'habitude, il y a toujours un ou deux pélos qui vient m'aider à 4. Non, là, il y a personne. Par contre, j'ai 6% de batterie, c'est terrifiant. Je vais plus pouvoir regarder le chat, les amis, j'ai plus de batterie. C'est dommage, ça. Non, mais t'inquiète. Non, t'inquiète, je m'en fous. De toute façon, le cast ne parle pas, c'est juste Max qui dit des takes. On a vraiment envie d'écouter les takes de Max. Les takes de Max Kell, l'ultime dodger. Celui qui arrive avec 6 heures de retard. Alors merci mon pote. Oui, bah ouais, la qualité du live, c'est pas grave, je l'ai en face en 4K. En attendant, les stocks sont redevenus even, mais c'est à la 105%, c'est très compliqué. Le problème, c'est que Falcon, ça fait extrêmement mal. La prochaine interaction peut littéralement tuer. Mais comment ça, mais Max? On en reparlera quand t'arrêteras de dodger les sauces. Non, on en reparlera quand t'auras gagné un sauce, mon pote. On attend toujours. On a pas été, on aurait pu le spike qui touche et c'est 2-1 pour Heracle qui va mener au score. C'est définitivement la game la plus fucky de l'histoire. Est-ce que Heracle part chercher son deuxième titre? Il est bien parti pour chercher un deuxième titre en vrai. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je parle bien. Ah, c'est gentil mon pote. Bah justement, je suis en USB-C. Eh, on peut... Ici, on peut débrancher la Switch? Bah, au pire, on débranche la Switch. Bah, tout de suite. On est super fort aujourd'hui. Ah merde. Ah ouais, non, ça nous aide pas, ça. Ah ouais, non, bon, bah ouais, tant pis, on va jouer quand même. Bon, on continue. Aegis contre Falcon. Est-ce que j'ai vraiment envie de cast ça? Bah ouais, il y a Sen. J'aime bien Sen, il est cool, Sen. Il a gagné 3-2. Dralex qui continue sa run. Il continue sa run, il va jouer contre Sylar. Si vous voulez une avancée sur le bracket, je vous invite à faire point d'exclamation bracket dans le chat. Mais oui, elle fonctionne la commande. Eh, il a rabat-joie le type. Ah, le... Eh, on gagne pour perdre. Donc bracket DB. Allez, Sam! J'ai perdu le compteur. Ah! Tu t'es fait péter la gueule! Oh, je suis pété! Je vais en voir un perso! Je suis trop content! Ouais, mais... ouais, bah viens, casse toi, parce que j'en ai marre de casse avec lui. Non, après, j'affronte ce strage, je crois. Oh! Allez! Allez! Hey, Erio qui continue aussi! La technologie, les potes! Et en parlant de technologie, il y a d'autres points d'exclamation. Vous pouvez suivre notre Twitter avec le point d'exclamation Twitter, où vous pouvez voir les tweets pas ouf de Fano. Et vous pouvez rejoindre le serveur de la meilleure communauté Discord avec le point d'exclamation Discord. Que la vie est belle! Je n'ai pas connecté leur game quand je jouais, mais ils doivent être vers la porte. Oui, ils doivent avoir bientôt fini. Je ne vois pas la carte, je ne peux pas courager. Hein. Ouais, Evie, sérieux, il est cool quand même. Il n'y a pas de carte. C'est que un skin. C'est la carte, elle existe. Voilà, allez Sen, on continue. On arrive à récupérer le dernier stock, ça va être très compliqué, on est à 100%, mais je vois pas Rip arrête de passer devant le projecteur. On continue pour Sen. 140%, on s'accroche à la vie. Ça va être très compliqué de remonter, mais il y a un espoir. On loupe ce Kni. Aïe aïe aïe. Il switch Pira. On essaye de prendre ses sauts très rapidement. On a un peu peur, hein, du côté de Sen.
Et un peu Miss Impossible, un peu de stress, on reprend une Mitra. On va trouver un petit gars du côté des raies. On va essayer d'être tapé. Oh, ça part en 5. Let's go. Tout est possible, mesdames et messieurs. Sunny nous a déjà fait des remontées. Il peut le refaire. Il grabe. Il trouve un enchaînement. La ride. Oh mon dieu, mais quel est ce joueur? Mais je l'adore. Putain, ouf. 63% d'un coup. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh mon dieu. Oh non, non, la grave. Non. Non. Oh, ça aurait été beau. Bien joué, Ralcol, qui est qualifié du coup pour la winner finale. Non.